Amélie, son belle femme, toujours sexy, toujours bien habillée. Les rives en côté, non qu'à garder, non qu'à flipper, où de ça vient. Le lundi, c'est pas moi. Le mardi, c'est pas moi. Le mercredi, c'est oui, il est 13h03, passé de quelques secondes. Amélie, son belle femme, toujours sexy, toujours bien habillée. Côté, non qu'à garder, non qu'à flipper, où de ça vient. Le lundi, c'est pas moi. Le mardi, c'est pas moi. Le mercredi, c'est pas moi. Le jeudi, c'est moi qui a géré, c'est moi qui a contrôlé, c'est en moi-même. Amélie, 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 quand même, moi, you. Une dédicace de Kat pour elle-même, un bon souvenir passé avec Jacques Abon pour ce fameux clip, cette chanson. Jacques Abon que je salue au passage. On continue avec Soleila de Jenny Lear, version Gouillade. Il s'appelle Patrice. C'est une dédicace pour tous les auditeurs et les auditrices qui écoutent Flyweb Tropical. Et une dédicace également pour la radio au nom de toute l'équipe de Flyweb Tropical. Merci Patrice.
Version Guyane. Elle s'appelle Isley. On va l'accueillir comme il se doit. J'espère que vous êtes là, hein. Vous êtes nombreux et nombreuses. On continue en musique. Et avant de continuer en musique, je vais recevoir Isley. Bonjour, cœur de Lyon. Ça va bien, et toi? Bien arrivé? Oui, très bien. Tu m'as dit à 20 minutes, c'est ça? 20 minutes. Oui, donc ça va, c'est pas trop loin. Oui, je suis à côté, oui. De repos? Oui, je me suis bien reposée, ça va. Bon. Ben avant de commencer, ben je vais démarrer avec quelque chose de fort, si tu veux bien. D'accord. Ah, et puis tout de suite après, quand je dis fort, c'est un petit truc que j'ai voulu mettre après ce que je viens de faire, le coup du western. On va dégainer après. Oui, chers auditeurs, chers auditrices, elle s'appelle Isley, elle est avec nous sur le plateau de Flywheel Tropical en compagnie de Cœur de Lyon moi-même. La vibe est bonne, la musique tombe. Oh, ce soir on veut du lourd, il faut que tout le monde bouge. Les lits sont déjà rodés, et garde à falloir suivre le mood. Chers auditeurs, auditrices, elle s'appelle Isley, elle est avec nous. Un grand merci d'être venu sur ce plateau.
Alors aujourd'hui, ben, j'ai entendu parler de toi il y a, on va dire, environ 2 mois. Waouh. Ben, ça fait même pas 2 mois. Hein. Mm-hmm. Tu te rappelles de ton premier interview Facebook? Oui. Ça fait même pas deux mois. Je sais plus du tout. C'était pendant le confinement, en tout cas. Donc ça fait même pas deux mois. C'était au début novembre, je crois. Ça doit être ça. Juste après le confinement. Ça doit être ça. Le début du confinement. Ouais. Ben, moi je te connais par rapport à ça. D'accord. Je suis tombé sur ta vidéo. Je t'ai écouté. Tant mieux. Et comme tu sais, il y a un morceau qui m'a plu. Tous tes morceaux me plaisent en réalité. Voilà. C'est gentil, dont un morceau qui m'a plu. Oui. On parlera de toi. On va écouter cette chanson. On va commencer par une de tes chansons. Donc là, avant toute chose, cette petite introduction que j'ai mis, qui était dédiée au DJ. Au DJ. Tous les DJ. D'accord. Oui. Ok. Ben voilà, big up pour tous les DJ. J'ai envie de te dire que félicitations, une très belle voix. Merci. Très belle performance. Merci. Juste après la musique qu'on va passer, je ferai un petit quelque chose, on va dire. Je ne vais pas tout dévoiler d'un coup. D'accord. J'ai une dédicace à passer avant. J'ai une petite dédicace à passer avant. Et puis nous, on se retrouve tout de suite après. D'accord. Et oui, il est revenu encore, hein, Jacques Abon. Trahison, c'est de la part de Mario Dille. C'est pour tous les Antillais de la métropole. Pourtant j'ai attendu. L'amour pour moi, ça fait un éclairage. Tout près de toi, oui, je serai très bien. Mais l'avion d'école, oui, j'ai tout perdu. Tant de patience, oui, tu m'as trahi. Joue pas bébé, joue pas avec mes sentiments. Ne joue pas bébé, arrête de jouer la comédie. Ne joue pas bébé, joue pas avec mes sentiments. Joue pas bébé. C'est pas la peine de pleurer pour ça. C'est pas la peine d'imaginer. Beaucoup apprendre contre les corps. Ah, dans la vie, ça pas facile. Ni j'en dis ou ni problème. Pas qu'un personne pour soulager, bébé. Arrête de jouer la comédie. Joue pas, bébé. Joue pas avec tes sentiments. Ne joue pas, bébé. Arrête de jouer la comédie. Ne joue pas, bébé. Joue pas avec mes sentiments. Joue pas, bébé. C'est sur Scar. Joue pas bébé.
la belle gérance, mais t'as gagné toi. S'appelle Jacabon, c'était une dédicace de la part de Marie Odile, le titre Trahison, c'était une dédicace pour tous les Antillais de la métropole. On continue avec Isley, avec le titre Kimbim. Alors ça sera ma dédicace pour tous les amiraux du compas.
Vini kembe contact là. Vini où les contacts là. Vini. Chers auditeurs, auditrices, Vinitia Bécontact, restez en contact, soyez avec nous sur la radio Flyweb Tropical pour l'émission Cœur Dédicace. Nous sommes en compagnie de Isley. Et oui, c'était un de ses titres à une époque. Comment on dit ça encore? Une autre époque, une autre mœurs. Oui, exactement. Groupe, bon, voilà. C'était mon groupe, mon premier groupe, à Paris, Contact. D'accord. Contact, justement, le nom du groupe. Le nom du groupe Contact. Et la chanson s'appelle Kimbim. Kimbim. On ne retrouve plus, malheureusement, ce titre-là. Donc, mm-hmm. comme tu m'avais demandé gentiment, bah, je n'ai pas hésité à te l'envoyer. Un grand merci. Mais je t'en prie. Alors là, excusez-moi, chers auditeurs et auditrices, on ne va pas faire de favoritisme, mais tant pis pour vous. Moi, j'étais là. Alors, Isley, je dirais donc artiste chanteuse. J'ai cru comprendre aussi autre chose. Non ? Pas interprète ou... Auteur, compositeur, interprète, oui. Ouais. Oui. D'accord, mm-hmm. Ok. J'ai appris que tu avais des bagages qui font mal à la tête. Oui, j'ai du bagage. Ouais. Alors, toi, tu sais que tu as des bagages. Peut-être. Mais il y a une autre personne qui sait que tu as des bagages, oui. Encore plus que toi. Et wow. Que je vais saluer au passage, il s'appelle Michel Sima, c'est ton manager. Oui, il fait partie de mon staff management, voilà. Effectivement. Et je le salue parce que grâce à lui aussi, on a pu être en contact. Mm-hmm. Donc, un grand merci à Michel d'avoir travaillé avec moi pour ce rendez-vous. Je le salue aussi, il n'a pas pu venir, il regrette même de ne pas pouvoir être là. Je le salue aussi en passant. Alors, coucou Michel, on est à la radio, hein. On pense à toi quand même si tu n'es pas là, je ne sais pas si tu es à l'écoute, mais voilà, en tout cas, à savoir que cette émission pourra être retransmise, on pourra lui renvoyer par mail, je pense, donc voilà. Toi, en tant qu'artiste, tu fais de belles choses, je vois que tu as divers... comment on dit ça encore, t'as diverses salades dans ton panier. Il y a beaucoup de fruits. T'as beaucoup de fruits. Mm-hmm. Voilà. Beaucoup de fruits. Et franchement, rien que pour le peu que j'ai entendu, je me dis, mais mince. Donc on reste pas sur le passif, mais en même temps, ça donne envie d'y penser et de se dire comment on a pu passer à côté de ça, comment une personne a pu te mettre à côté, sachant que t'as vraiment une carrière. Qui est sensationnel, quoi, qui est phénoménal. Tout simplement, il y a eu surtout un manque de promotion, mm-hmm. qui fait que ça n'a pas décollé comme il aurait fallu. Mm-hmm. Quand je dis décoller, j'ai eu quand même de belles années où j'ai chanté énormément un peu partout, j'ai voyagé. Hein. Mm-hmm. Il y a eu un moment donné où ça s'est stagné. Donc... faute de promotion, comme je te dis. Alors, et puis, il y a eu. Faute de promotion. Pour moi, quand on travaille sur un album, il faut que l'artiste soit un peu partout. Il faut que à la télévision qu'on parle de l'artiste, les interviews, il faut être à gauche à droite en spectacle. Malheureusement, les choses n'ont pas suivi. Mmh. C'est à peine tous les albums étaient vendus. Je dis bien, tous les albums étaient vendus. Parce que tu vas en chercher, tu n'en trouveras plus. Mmh. Puis ça s'arrête là. D'accord. Donc, on en vend à certains endroits, certes, mais il faut penser quand même à pousser plus loin. Il y a d'autres pays avec lesquels on a envie de faire connaître l'artiste. Donc,
faut pousser plus loin, mais ça n'a pas été. Moi, je dis, à partir d'aujourd'hui, ça va y aller. Oui, mais... en tout cas, maintenant, je me produis moi-même, donc ouais. J'ai le temps, je peux faire ma promotion. Il n'y a rien qui m'arrête, ouais, sauf si j'ai envie. Et puis, c'est pas... Sauf si c'est, Dieu décide de tout. Oui, surtout lui. Voilà. Surtout lui, c'est lui qui dirige, c'est lui qui nous amène en avant, hein, sans dire rien. Oui. J'aimerais te dire aussi que... Donc, tu as fait ce... donc ce titre avec ce groupe que tu n'es plus, le groupe non plus. Hein. Et c'est pas que je suis plus avec eux, c'est que le groupe n'existe plus. Ah, le groupe. Malheureusement, il oui. N'existe plus. Ben, voilà. Voilà, les musiciens. Il a été dissous. En fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc les musiciens, il y en a certains qui ont été ailleurs avec d'autres artistes. Mm-hmm. Sinon, le groupe n'existe plus, malheureusement. C'est vrai que très souvent les musiciens m'ont appelé pour me demander est-ce qu'on pouvait reformer le groupe, parce qu'on on en a tous envie, même moi, hein, j'en avais envie. Mais bon, j'ai d'autres projets et c'est le temps que je ne trouve pas. Le temps, d'accord. Mm. Quand tu dis le temps, la vie personnelle. C'est-à-dire que, voilà, professionnel et personnel. Et en plus, par rapport à mes projets musicaux, je n'aurai pas le temps pour faire la promotion du groupe à côté. D'accord. Mm. Okay. Mm. Déjà, c'est... Tu as dû travailler déjà pour toi. Il y a beaucoup de boulot, oui. Donc, en tout cas, mais Michel nous a... du moins, il a échangé avec moi sur pas mal de points. J'ai vu pas mal de chansons que tu as faites. Donc là, nous allons écouter une chanson que... c'était laquelle tu voulais? C'était Trop Rémé? On avait dit Tounet au début. Tounet. On va commencer un petit peu plus loin. Ouais, d'accord. Okay. Bon, on va aller... C'est le temps de... C'était sur mon deuxième album solo. D'accord. Mmh. Eh bien, chers auditeurs et auditrices, eh ben, on va écouter un deuxième titre de Isley. Restez en contact. Petite erreur, donc voilà, j'ai mis le bon morceau. Come back to me. Chérie, faut nous parler. Prenons un petit temps, côté. T'en prie, pas rapprocher. Une chance pour m'expliquer. Oui, on dit parole dépassée. Où lever, où aller. Sont pas dit en yé ou parti. Depuis les samanés anti. Elle s'appelle Isley, elle est avec nous, j'espère que vous êtes à l'écoute. N'hésitez pas, si vous voulez passer un petit bonjour, vous faites le 01 84 17 47 08, elle s'appelle Isley. Pas qu'un même sous-cœur oublié, ça me défait.
Et oui, de retour avec Isli. Donc c'était le titre, c'était Tounay. Tounay. Alors ça parle de quoi ce morceau? De quelqu'un qui n'est plus là et que je voudrais que cette personne revienne. Comment? Quelqu'un qui n'est plus là et que je voudrais que cette personne revienne. Ah, c'est complexe. Quand on aime. On compte plus. Ouais, ouais. Et on a besoin. Ça ressemble presque à moi, besoin d'amour. Bah oui. Juste. Il faudrait juste que la personne revienne. Et j'explique comment je me sens quand cette personne-là n'est pas là. D'accord. Je suis comme. En créole. Oui, je suis comme. Moi, tant couillon flé qui sent soleil. Moi, tant couillon. Oh, je sais plus. Ça fait tellement longtemps, ouais. Les paroles, là. Bref, tu te sens comment dire, comme s'il manque une partie, tu es incomplète, voilà. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Et dans cette, j'ai un problème de voilà, dans cette vie d'incomplète, donc tu as continué quand même à faire ta musique. Oui, bien sûr, parce que c'est la chanson, c'était pas du tout. Une histoire vraie, hein. J'avais juste une inspiration à ce moment-là, je l'ai écrite, c'est tout. D'accord, mm-hmm. Ok. Je sais pas pourquoi ça ronfle, mais bon. Et qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Donc, là, tu as fait ce titre-là, tu as fait d'autres... C'est bizarre. Tu as fait d'autres sons? Oui, bien sûr. Avant d'arriver, donc... là aujourd'hui, je parle, hein, est-ce que tu as fait d'autres musiques à cette période-là même? Dans ton inspiration, est-ce que tu as fait à ce moment-là ou tu t'es arrêté et t'as repris après? Tu parles après cette chanson-là? Ouais. Bah, après cet album, on va dire. Non, il y a eu un troisième album après. Il y a eu un troisième album. Et d'accord. Bien entendu, il y a eu d'autres collaborations. Mm-hmm. Non, je ne me suis pas arrêtée. Même pendant que j'étais sur mes albums, je travaillais avec d'autres producteurs pour d'autres projets. Alors moi, j'ai une petite info qui m'est passée par là. Mm-hmm. Apparemment, je ne sais pas si elle a l'écoute par contre, hein. Apparemment, tu es très apprécié par une grande artiste, très grande artiste. Pour moi, à mes yeux, c'est une grande artiste. J'en connais pas qu'une, j'en connais pas mal, mais oui. Elle en fait partie. Si je te dis Joëlle Ursule. Oh, waouh. Elle est, bah... apparemment, elle est admirative par rapport à ton teint de voix, à ta carrière. Ah oh, ben, ça, waouh. Moi, me... c'est pas ça... un fake, parce que d'où que je l'ai appris... Oui, je ne la connais pas personnellement. Je ne la connais pas non plus, ça me voilà. Touche, ça me touche. C'est quand même c'est une chanteuse que j'aime. Non, je ne savais pas. Alors, ben, j'ai vendu la mèche. Michel, t'as rien dit alors. Non, je l'ai sur ma page Facebook. Il fallait absolument qu'elle soit sur ma page Facebook parce que c'est une artiste que j'aime depuis des années. D'ailleurs, c'était les toutes premières. Les toutes premières chanteuses que j'ai connues quand j'étais un peu plus jeune, en Guyane, d'ailleurs. Mmh. D'ailleurs, sur ma biographie, on lit bien qu'avant de commencer, je n'avais pas de musicien. Donc, il y avait souvent des spectacles sur la plage, au collège, au lycée. Donc, moi, j'avais formé un petit groupe de trois filles. Mmh. Et on reprenait les chansons des Zouk Machines. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc... c'était avec Joël Ursule, Christiane Obidol, Dominique bon, Zorobabel. En fait, c'était donc, votre référence. Quoi. Voilà, c'était ouais. Ça. Donc, d'accord. C'est pour ça que je dis ça me touche énormément. Oui. C'est Michel qui m'a vendu l'enveloppe. Hein. Moi, maintenant, j'en ai profité pour te le dire. Oui, d'accord. Bah, il ne me l'a pas dit, tu vois. Il a gardé ça pour lui. Je pense qu'il va m'en vouloir, là, je pense. Non, peut-être qu'il n'a pas eu le temps, mais bon. Oui, il n'a pas eu l'occasion ou le temps, comme tu dis si bien. Il n'a pas eu l'occasion. Effectivement, ben, quand tu me dis que tu as fait ces trois personnes-là, donc c'était quoi? C'était de la famille? C'était des copines? C'était des copines, des copines d'école. Oui, oui. Et après, t'es resté en contact, ou vous êtes perdu de vue? Y en a une, oui, je suis restée en contact. L'autre, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne sais pas du tout. On peut lancer une émission à vue de recherche? Et ça, elle s'appelait Carole. Donc, Carole, si jamais tu as l'occasion de passer sur Facebook et t'entendre parler cœur dédicace, tu te rappelles de Isli. C'est pas difficile, tu rappelles le 01 84 17 47 08, 01 84 17 47 08, et je suis sûr que ça lui fera plaisir. Isli, on continue avec un deuxième morceau que tu voulais, Trop Rémé. Oui.
Romain, qui ça, est sur le troisième, mon troisième album solo, Dangerous. Trop Romain, histoire de deux copines à moi, qui ont eu un cœur très grand, qui ont trouvé des gars qui possédaient rien, quoi, qui avaient un peu de difficultés. Elles se sont dit, bon, bah, écoute, la personne est bien, on va l'aider, quoi, l'habiller, l'aider, lui donner une voiture, machin. Tout ce qu'une femme, quand elle est amoureuse, elle est prête à tout, quoi. Ce petit délire-là, c'est parti juste d'une imagination ? Non, c'est vrai, c'est pour de vrai, oui. De copines que tu connais ? Oui, de copines à moi. Et puis, bon, à la fin, ça a mal fini, parce que quand les mecs, ils se sont... quand ça allait mieux pour eux, ben, ils se trouvaient trop bien pour elles, quoi. Donc, c'est ce que je trouve couillon dans notre communauté. C'est pas tout. On trouve quelqu'un qui nous met bien, mais après ça, on fait les gros intéressants. Oui, donc... on perd tout, au final. On finit par perdre tout. Oui. C'est un peu dommage. Hein. Parce qu'il y a le karma. Ouais. Ouais, mais le karma, aujourd'hui, comme je dis, je fais une émission demain qui est En un mec à laver l'autre. Comme je le dis souvent, depuis le début de ce confinement, je le dis régulièrement, hier ne sera pas demain. Aujourd'hui, nous sommes tous artistes de notre vie, sans même la contrôler, puisque nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Au passage, je vous rappelle, chers auditeurs, auditrices, que demain, midi 14h, je vous attends pour l'émission En un mec à laver l'autre. Je reviens sur Isley, bien sûr, c'était une petite parenthèse. On continue avec Trop Rémé. Oui, et donc, on se retrouve tout de suite après. Et donc, au final, oui, cette chanson, c'est une histoire qui est arrivée à deux copines, mais je l'ai chantée comme si c'était mon histoire à moi. D'accord. Pour que ça soit un peu plus percutant. Ça a tellement bien marché que les gens venaient me dire, ma pauvre, on est désolé pour toi. On a cru que c'était vraiment mon histoire. Que c'était deux copines. Voilà. Mais c'est pas grave, ça peut arriver. Tu as gardé contact avec ces copines-là ? Oui. D'accord, okay. Il n'y en a pas une qui est célibataire. C'est pas pour moi, c'est pour mon copain qui est derrière. Oh mon Dieu. Non, c'est pas pour moi, c'est pour le jeune homme qui est là, qui est à côté de moi là. Écoute, lors de mes lives, parce que ça va, après le confinement, ça va reprendre. Tu viens dans mes lives, on ne sait jamais. Moi, je présente personne à personne, mais on ne sait jamais. Il ne faut jamais présenter. C'est oui, parce qu'après, quand ça se passe mal, je ne veux pas être responsable. Ouais, c'est de ta faute de la présenter. Waouh. Cas, voilà. Ouais, eh bien, on continue. Trop Rémé. Chers auditeurs, auditrices, on continue avec un autre titre qui s'intitule Trop Rémé. Non, il ne veut pas venir. Pourquoi tu ne veux pas venir ? Parce que je ne l'ai pas. Lâche.
Une phrase à la fin, qu'est-ce qu'elle dit? Regardez-moi. À la fin, ça dit regardez papa, remettez-moi clé Mercedes là. Mais c'est qui avait la Mercedes? Ben, il a fini quand même par avoir une Mercedes, le mec aussi, hein, avec tout ce qu'il a eu, les vêtements, l'argent. Le gars, il est gâté. Ouais, moi, j'aurais voulu avoir une Mercedes. Et au final, il est très ingrat. Hein. Ah, ça, c'est plus que de l'ingratitude à ce moment-là. Cette chanson, pareil, hein, toujours les mêmes questions. C'est, cette chanson, est-ce qu'elle a une histoire ou c'est juste un plaisir de chanter? Ah non, mais c'était l'histoire dont je te racontais. C'était par rapport à mes copines. D'accord. Ah, c'était les deux copines, donc faut pas que je comprenne. Parce que, ouais. Exactement. D'accord, le mec, il a eu Mercedes, il a eu tout ce qu'il faut et... Après, il s'est senti trop bien pour la fille et il l'a envoyé balader. On voit que le matériel ne fait rien. C'est, que ça soit pour il ou que ça soit pour elle. C'est les intérêts avant tout. L'amour, c'est le plus important. Le vrai amour, c'est le plus important. Mmh. Chers auditeurs, auditrices, pour mesdames, hein, moi je suis un monsieur, donc pour mesdames, hein, si vous savez que vous avez un monsieur, donc réagissez honorablement d'amour et pas de méchanceté. Et messieurs, vous avez une dame, réagissez d'amour et pas de méchanceté. Exactement. Vous êtes en compagnie de Cœur de Lion avec Isli. Sur le plateau de Flagrant Tropical. Nous allons continuer pour une petite dédicace avec Jimmy Desvarieux, moins un vivouet aux mamans. Donc c'est pour un collègue, un responsable, un ami qui s'appelle Francis. C'est pour lui, je crois. J'adore cette chanson. Le clip, j'ai pas fait ce qu'il fallait en plus. La première fois. Alors je rejoins Francis, je fais un clin d'œil à mon fiston, Teddy. Tu sais pourquoi? Moi en vivant, maman, je n'en ai vous tout le monde. Et que bisous, pardon, je sais seulement pour qui raison. Yo du marié, yo pas mort, et qui te aime moi. Qui j'en ai mani, yon frère, qui casse. Thank you.
chez moi. Mais en vivre, je réponds à vous. Et que disons, et ça seulement pour qui raison. Mais en vivre, bébé, vois vous-même un petit moment. Des promesses de disparaître, puis pour tout le temps. Moi, parler, maman, faire pleurer. Même on y doit savoir qui m'en est. Moi, on y voit. Ça seulement pour qui raison. Ah, dans un lit, moi parmi un frère. Les voisins, moi, pas famille, moi. Mon bleu s'enlever, mon bleu qu'on est. Et nous, on va se retrouver à 14h01, il est déjà 15h53, le temps passe vite, hein, on s'en rend même pas compte. Et bien sûr, je vous ai remis un petit peu du Jimmy Desvarieux, rien que pour le plaisir. Et comme je disais, c'est une dédicace de Francis pour lui-même. Et je l'accompagne également pour mon fils en lui faisant un petit clin d'œil, il s'appelle Teddy. Et bien sûr, Melvin et Dylan. Si un bébé voit vous-même un petit moment, des promesses de disparaître, qui pour tout le temps. Moi, parler, maman, faire pleurer. Même on y doit savoir qui m'en est. Moi, on y voit. Ça seulement pour qui raison. Ah, dans un lit, moi parmi un frère. Les voisins, moi, pas famille, moi. Mon vœu s'enlever, mon vœu qu'on est. Mon vœu s'enlever. On se retrouve tout à l'heure après la pub, à partir de 14h01. Je vous dis à tout à l'heure en compagnie de Isley. 16h01, excusez-moi.
auditrices, il est 16h02, passé de quelques secondes. Nous sommes en compagnie de Isley, toujours. Je vous rappelle que le numéro, c'est le 01 84 17 47 08. Vous êtes en compagnie de Cœur de Lion également. J'ai mes fondateurs qui sont à côté de moi. J'ai nommé Francis Ponzola, monsieur Francis Ponzola, que vous retrouvez chaque dimanche de 16h à 19h pour l'émission BCM, Bienvenue chez moi, mais pas que, vous le retrouvez également le mercredi pour le top 10 Flyweb Tropical, et également voisin, voisine, le 10. Le dimanche, pour l'émission Voisin Voisine, toujours avec Francis Ponzola, Joe Lover, Bel Ange et sans oublier la belle Priscilla. Priscilla que je salue, qui fait partie du groupe Multigroove. Allez, une petite séquence compas, histoire de se remettre avant de reprendre avec Kingsley. Cher auditeur, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je vais vous faire écouter quelque chose. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Il va se reconnaître. Je pense qu'il est à l'écoute. Mais là, alors, Isley, tu parlais de quelque chose tout à l'heure là. Et il y a un monsieur, je n'ai pas pu m'en empêcher. Donc je vais vous faire écouter quelque chose, ces auditeurs, auditrices. Si j'y arrive, eh ben non, j'y arrive pas. Donc ben, on va revenir dessus, on vient en musique. Alors je disais, Isley, je vais te faire écouter quelque chose. Ces auditeurs, auditrices, je vais vous faire écouter quelque chose. Vous restez à l'écoute. Ça va partir. Chaque fois, il entre en fait, il plaît bien aimé, chérie. Ah. Alors, je ne vous dis pas, au studio, on n'en peut plus. Ça rigole de tous les côtés. Moi, je vais vous faire écouter exprès pour vous. Si. Ah, ma dekei beau pied, lavé pied, liché pied, il baye. Ah, ma dekei, ah, ne kei konta boukme. Ah, dit femme, quand tu peux dire, si. Si. Depuis que ma gavise, qui m'a quand tu peux dire, femme. Bon, j'aime bien, jeune femme, quand tu peux dire, ma dekei, liché pied. Tout ça, dit, ma gafé. Si. Et puis, ma zafé manger encore. Chaque fois, il entre en fait, il plaît bien aimé, chérie. Ah! Eh bien, alors, Isley a dit bravo à monsieur. On l'appelle Faucon. Il a fait notre journée, là. Là, il nous a tué. Là, si, là, je pense que là. Donc, là, on a compris que Faucon, en plus, c'est un homme. Alors, je vais dire une phrase. Il ne faut pas mal l'interpréter. C'est un homme à femme. Alors, je vais dire pourquoi c'est un homme à femme, mais pas dans le sens qu'on le croit. C'est parce que c'est un papa de deux filles ou trois filles, je ne sais plus. D'accord. Il s'occupe de ses filles, mais royalement, et de son fils aussi. Hein, il s'occupe de ses filles et de son fils royalement. Félicitations. Donc, c'est vraiment un papa génial. Il est aux petits soins. Petite anecdote récente, pas plus tard que hier ou avant-hier, il travaille de nuit. La journée, il s'est levé à peine une heure de sommeil pour aller réveiller ses enfants, les envoyer à l'école. Donc, un grand respect à ce monsieur. Et il est marrant comme pas possible. On n'en peut plus. Donc là, il y a encore d'autres choses qui m'envoient, mais bon, on va pas tout passer. Merci Faucon pour ce moment d'humour. Isley, on se retrouve tout de suite après un petit moment de musique. D'accord. Afin de préparer ta prochaine chanson. Ok. Alors, chers auditeurs, auditrices, hein, c'est une petite séquence compas très courte. Je reviens tout de suite. Thank you.
Et oui, nous revoilà avec Isley. J'espère que vous passez un agréable moment. Donc là, oui, franchement, on a eu une petite crise de fou rire. De retour avec Isley. Isley, avant de passer à un autre titre venant de toi, Western Non. Tu en dis quoi? Non, j'avais dit que j'allais passer un morceau avant. Ah oui, d'accord. Ça, okay. C'était ma petite surprise à moi. Ok. Pas de soucis. On va passer ce morceau-là. C'est de toi. Hein, c'est de toi. Donc, chère auditrice, restez à l'écoute. Hein. Ça s'appelle Thank You Lord. Que si vous voulez lui dire un petit coucou, un petit bonjour, vous voulez qu'elle vous fasse une dédicace, n'hésitez pas, le 01 94 47 48. Alors, Izzy, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette chanson? Cette chanson, Thank You Lord, c'était sur mon troisième album solo, Dangerous. La chanson, je l'ai écrite parce que
Tout simplement, c'était un rêve que j'avais fait. J'étais dans une période. Je fais des rêves comme tout le monde. Je sais pas si c'est prémonitoire. Je sais pas. Oui, je pense. C'était une période où, pendant que je travaillais sur l'album, j'étais pas bien. Et j'avais décidé de plus retourner en studio. Donc, en plein milieu de. Ça n'allait plus du tout. Donc, que ça soit avec la production, que ça soit personnel, ça n'allait plus. J'avais plus envie, je sentais plus. J'étais un petit peu en dépression. Donc, et puis mon producteur m'a dit non, il faut que tu reviennes. Je trouvais pas le truc pour revenir en studio. Et puis un soir, j'ai rêvé, comme je dis assez souvent. Je raconte pas ça facilement, hein, parce qu'après, les gens, ils sont toujours un peu bizarres à dire oui, mais les rêves, les choses qu'on nous raconte, bon, c'est bof. Mais pourtant, j'ai rêvé et il fallait absolument que je retourne en studio, finir ce que j'ai commencé, parce que c'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide. Mais des fois aussi, on a mis le fait aussi du créateur. Mmh. On a des rêves comme ça qui nous viennent. C'est pas forcément des dons, hein, c'est simplement des rêves prémonitoires. Ça peut être quelque chose qui peut ramener. Puis des fois aussi, ça peut être sécurité. Parce que ça peut dire, bon, ben, on fait un parcours, mais peut-être ce parcours-là, il faudra peut-être ralentir ou éviter ce parcours-là. Exactement. Donc voilà, c'est peut-être des alertes aussi. Et puis dans l'alerte, dans ce que tu as fait dans ton rêve, hormis ton rêve, il y a le fait aussi que peut-être aussi à ce moment-là, c'était une alerte aussi de te dire stop. Parce que si tu parles de dépression, peut-être aussi ça aurait pu être... Oui, ça aurait pu être un peu plus grave, oui, effectivement. Donc voilà, j'ai été en studio, la musique était déjà faite et la mélodie, elle est venue toute seule. Donc j'avais envie de parler de ça, de ce que j'ai rêvé. Et j'ai pu terminer mon album tranquillement et puis voilà. Ça t'est sorti dans les tripes. Oui. Ah ben, nous, on va continuer en musique. C'est une dédicace d'un autre collègue. Décidément, j'avais mes collègues avec moi aujourd'hui. Le titre s'appelle Police. Et oui, il s'appelle Joël que vous retrouvez tous les vendredis sur la radio Flyweb Tropical pour l'émission Musique en temps longtemps. Il sera là à partir de 18h. Si vous êtes à l'écoute, il sera en interview téléphonique avec Monsieur Simon Girard. La police est ici, la police est ici. Priez maman, priez papa. 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 La police est ici, la police est ici. La police est ici. Parce que je suis policier. Dis-moi, 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 dis
police. Monsieur, mon papier. Donnez-moi mon papier. Monsieur, j'ai pas de papier. Et oui, ça, c'est un petit clin d'œil aussi. J'accompagne Joël. C'est un petit clin d'œil par rapport à ce qui s'est passé récemment. Et oui, demain, si vous voulez, on pourra en parler plus longuement parce que ça cadre avec l'émission. La police est ici. Un lendemain qu'à laver l'autre. La police est ici. La police est ici. La police est ici. Priez maman, priez papa. 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 Vibration, vibration. Vibration, vibration. Vibration, vibration. Vibration, vibration. Vibration, vibration. Vibration, vibration. Le titre et le groupe, c'est Melodix. On est de retour avec Isley. Alors Isley, ben, moi, ça me fait plaisir que tu sois là. J'ai envie de te dire, dans ta carrière que tu effectues actuellement, est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu as un single en vue? Oui, le single, il est prêt. On est en train de... Comment se fait-il? Il est prêt? Je ne l'ai pas encore eu. Non, parce que personne ne l'a. On a décidé qu'il fallait que le clip sorte en même temps que la chanson. Oui. Parce que quand tu écoutes la chanson, il n'y a pas de surprise. Donc, on imagine déjà le clip. Donc, non, il faut absolument que ça soit en même temps. C'est bien, c'est du beau travail, ça. C'est oui. Bien, si c'est ce que tu nous mets en avant à chaque fois, c'est bon, je n'ai pas besoin de savoir. Je suis assis dessus déjà, je sais à quoi m'attendre. Prochain titre, Westernon. Oui, Westernon. 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 C'est, je pouvais pas tout mettre. C'est une certaine façon d'envoyer de l'argent. Mm-hmm. Ah, on n'a pas, comme on n'a pas le droit de. Enfin bon, tu l'as dit toi. On m'a toujours dit de pas le dire. Il faut pas le dire. Ah bon. Ouais. Normalement. Non. On fait pas de pub pour voilà comme moi, ça. Donc. Pas de pub pour eux, mais bon. Moi, je fais pas de pub pour eux. Hein. Tu sais, si je dois m'en servir, je vais m'en servir. Hein. Oui, Western Union. Qu'est-ce qu'ils s'en servent? Téléphoner au 01. Oui, non, mais bon. Oui, c'est Western. Non, c'est très souvent. Enfin, non, chez vous, je pense pas que vous utilisez beaucoup ça. Chez nous, on a tendance à en faire beaucoup, à envoyer beaucoup de Western au pays. Mais l'histoire, c'est plutôt. Par rapport à. Ça, c'est tout le contraire de l'autre chanson. Hein. C'est certains hommes qui vont au pays et qui rencontrent. Je dis bien des hommes qui ont déjà une vie, hein, en France ou aux États-Unis. Des hommes. Mariés, voilà, qui vont au pays et qui rencontrent des petites doudous, ouais, et ouais, qui sont pris dans un truc et ils se retrouvent obligés après de. Quasiment toutes les semaines ou tous les mois d'envoyer de l'argent sans cesse. Parce qu'ils sont piégés au final. Voilà, c'est ouais. Ça. Soit il y a un enfant, ou soit. Je sais pas, mais ils sont piégés quelque part parce qu'il faut envoyer de l'argent. Ouais. Bah, c'est malheureux à dire, hein. Si on se sert même d'un enfant pour de l'argent, c'est un peu triste, mais bon. Mais en fait, dans ce que tu parles du. Sans parler, bien sûr, de Western. Mm-hmm. Parle d'une réalité qui se passe aussi pas que en Haïti, hein, ça se passe, oui, aussi bien sûr, aux Antilles. Ça se passe très souvent à un côté, j'ai pas envie de le citer, en même temps j'ai envie de le citer parce que c'est une réalité, hein, moi je me cache pas. Oui. Puisque j'ai des amis qui sont de cet endroit là qui sont de la Réunion, tout simplement. Mm-hmm. N'ayons pas peur des mots, et ça se passe, c'est fréquent là-bas aussi. C'est d'accord. Très fréquent, puisque j'ai une amie qui s'est fait piéger comme ça. Donc oui, ça peut être l'homme, oui, mais ça peut, oui, être, oui, la femme, effectivement, aussi. Effectivement. Et elle s'est fait piéger, s'est fait piéger par un homme, et du coup, ben, peur que ça retombe dans les oreilles de son mari, ben, voilà.
Voilà, donc elle est obligée de... Donc il y a du chantage. Du chantage, voilà. Mais ça, il y en a d'autres aussi, ça aurait pu être plus cher, je veux dire. Parce que bon, dans cette histoire-là, il faut comprendre qu'il n'y a pas que l'aspect financier, ça peut être aussi une histoire de vie. Parce qu'il y en a qui vont vraiment au dramatique, qui vont vraiment à... Ouais. Hein, donc... je vous le rappelle, chers auditeurs, auditrices, toujours en compagnie de Isley, je vous rappelle une chose, comme je vous le dis souvent, je le dis lors de mon émission En Amac à la Vélote pour demain, midi 14h, je vous rappelle que nous sommes tous logés à la même enseigne, hier ne sera pas demain, n'oubliez pas ça, c'est une petite parenthèse, n'oubliez pas, hier ne sera pas demain, soyons responsables et puis prenons soin de nos proches, faisons attention à ce que nous faisons et... Comme je dis souvent, aimez-vous les uns les autres. Isley, on va écouter ton titre, Western Non. Western Non. Western Non, je vais y arriver. Western Non. C'est parti. Moi, je connais une petite fille, elle est Océanie. La vie va en Haïti, elle va même prendre plaisir. Alors l'album s'appelle Dangerous. Je vous invite à aller sur les plateformes, acheter l'album. Moi, je vais faire la même chose. Aujourd'hui, il y avait des CD à gagner, il y avait des choses à gagner. Il n'y a personne qui a téléphoné. Donc voilà, pour les dernières 25 minutes, je vous pose une question. Le premier appel aura gagné. Bien sûr, si ce sont des gens qui ont déjà reçu quelque chose, laissez la place aux autres, bien sûr. Il s'appelle Gilles Floreau. Alors la question est, Gilles Floreau, de quel groupe, c'est un peu facile, hein, mais peut-être il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, de quel groupe Gilles Floreau a fait-il partie? J'arrive même plus à parler. De quel groupe il faisait partie? Un groupe mythique, Gilles Floreau. Alors pour ce faire, vous faites le 01 84 17 47 08. 01 84 17 47 08. Je repose ma question. Il s'appelle Gilles Floreau. Il a fait partie d'un groupe, un groupe mythique, très connu. Et si vous trouvez la réponse, le premier appel recevra un cadeau. Alors, il gagnera un CD, alors que ce soit un homme ou une femme, il gagnera un CD avec un petit jupon, comment ça s'appelle déjà le jupon? Un pareo, une jupe pareo. Oui, allô, ne quittez pas, le temps que je décroche, ta souris là, voilà. Allô, 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 est-ce que j'ai quelqu'un au bout du fil? C'est bien celui-là. Allô. Bon, ben, ça recommence. Oui, allô. Oui, allô, bien bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Votre prénom, s'il vous plaît? Mais écoutez, bonjour, c'est Yes Papa. Ah, Yes Papa, vagabond. Non, toi, tu peux pas gagner. Tu peux non, pas non, gagner. Mais je ne joue pas, j'appelle donc, justement pour féliciter, donc, Isley, c'est ça? Alors, attends, il y a un monsieur qui va te... Ah, j'ai pas mis le micro. Il y a un monsieur qui va te dire bonjour, c'est un très grand monsieur que j'aime beaucoup. Mm-hmm. C'est un artiste, il a fait partie d'une radio aussi, P2M. Vas-y, c'est à toi. Oui, alors justement, je viens d'arriver parce que je n'étais pas là, j'ouvre mon portable et je laisse bonjour, bienvenue dans cette radio
RFT, donc Radio Soleil, Radio Amour, Radio Amitié. Donc, et puis bravo, j'ai entendu le premier titre. Merci. Westenna, Django et puis Zoro. Enfin, c'est, j'ai vu que c'est une émission qui dégaine, donc oui, on va dire ça. Django et puis Zoro. Oui, parce que ça me rappelle en fin de compte quand j'étais aux Antilles, vu que j'allais au cinéma, Django et Zoro. Et puis donc, il y a eu une chanson d'ailleurs qui trame ça, quoi. Moi, mm-hmm. Au cinéma, c'était en pièce cowboy. Donc, ça nous a fait grandir aussi. Mais je pense, et ne pas faire de la pub et parler de côté western, c'est bien. Ça a appelé nous. Donc, ça. Oui, tout à fait. Mais tu sais qu'elle elle est en attente, elle est en haleine, elle cherche à savoir qui est au téléphone. Parce que moi, je ne lui ai rien dit encore. Hein. Ah, alors, je ne sais pas si elle te connaît, François, mais. François. Ouais, bon. Mais tu vois, c'est qui? Ah, ouais. Papa. Eh bien, vas-y, dis-lui. J'ai vu que c'était écrit tout à l'heure. François Harpon. Oui, oui. C'est bien lui. Je connais. Oui. Oui, voilà. Et puis bon, je ne peux qu'applaudir toutes les personnes qui ouvrent les portes, en fin de compte. Bravo, n'est-ce pas, Monsieur Cœur de Lion. Justement, il a le cœur de lion, là. Oui. Juste une question. Est-ce que je me trompe pas, hein, désolé, j'espère ne pas me tromper. Est-ce que cet artiste-là a souvent un truc qui attache sa tête Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Okay. C'est bon, je vois c'est qui. C'est l'homme au bandana. D'accord, voilà, c'est l'homme ça. L'homme au bandana avec les 10 000 facettes de masque. Alors sache qu'avec moi, même s'ils ne parlent pas beaucoup, ils sont avec moi. Il y a Joe Lover qui est là et il y a Francis Ponzola qui sont là avec moi aussi. Oh yes papa, Francis en fait Joe Lover, je te jure, je te love, tu me love. Donc voilà, vous voyez, il y a de la bonne ambiance sur ce plateau. En tout cas, merci François d'avoir appelé. On s'oublie pas après, on se rappellera après pour d'autres choses. Oui, d'accord. De toute façon, je laisse le soin à notre personne de gagner, puisque je connais le groupe mythique dont tu parles. Ouais. Où j'ai bercé aussi mon enfance sur pas mal de musique d'ailleurs. Ah, ça m'aurait étonné si tu ne le savais pas, hein, quand même. Mais oui, alors, mais faut oui. Il faut savoir mais pour oui. La petite histoire, parce que moi je le dis, il ne le dit pas beaucoup, il est très modeste ce monsieur, un grand monsieur. Parce qu'en plus, il n'a pas commencé en tant que chanteur. Ouais, voilà, tout à fait. On apprend quelque chose. François Harpon, il ne le dit pas souvent. C'est pas qu'un monsieur qui a fait de la radio, c'est un monsieur. Moi je l'ai connu, il faisait encore partie du groupe Force One, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait, oui. Ouais, faisait encore partie du groupe Force One. Donc voilà, d'accord. Moi je l'ai connu à cette époque-là. On parlait même d'un artiste qu'on n'entend plus parler depuis longtemps, parce que c'est un monsieur, c'est un très très grand musicien, on n'a plus de nouvelles, il s'appelle Alex Rosa. Et, ah yes papa, oui, souvenir frère. En fin de compte, il m'a donné la possibilité de m'exprimer avec le groove américain aussi. Ouais. Il nous avait fait quelque chose, on avait été chez lui, il nous avait fait une guitare, il nous avait fait un son groove. On était debout, on s'est tous assis, on n'en pouvait plus, on regardait le gars en train de jouer. Et puis bon, quelques temps après, peut-être 6 mois après, il est parti, il est retourné aux Antilles, mais on n'a plus eu de nouvelles. Donc voilà. Oui, tout à fait. Petite histoire. De toute façon, comme je dis, à une époque, il y avait une belle corrélation avec les musiciens. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Ouais. Mais bon, le passé ne s'efface pas, en fait. Quand on doit garder ce passé-là pour nourrir la vie. Moi, je prends ça comme des beaux souvenirs. Je pense qu'on a encore beaucoup à voir. Je pense que les aînés auront beaucoup à apprendre. Et aux jeunes, comme les jeunes auront à apprendre aux aînés un peu, pas beaucoup, parce que on apprend. Mais je dois dire quand même que tu as été mon manager parce que tu m'emmenais partout, toi, et avec Chabine, Monique. Ouais. Bah, c'est vrai, bizarrement, on sortait, on allait dans les manifestations, on allait partout. C'est vrai que j'étais souvent avec François. Ben, on était souvent les élus aussi de la pointe, hein, la pointe des Antilles. Tout à fait. À l'époque où c'est qu'il y avait le restaurant. Bon, voilà, on ne va pas rappeler les anecdotes, c'est le moment de Isley. En tout cas, je te remercie. En tout cas, je voudrais l'encourager et puis lui dire effectivement, comme on dit, quand on est femme dans ce corps de métier, si je puis dire ça ainsi, c'est comme la mer avec les requins et les petits poissons. Exactement. En tout cas, merci pour tes encouragements. Mais continue comme ça, j'ai entendu la voix, elle est belle, et puis l'histoire n'est pas mal non plus. Merci. Et j'ai entendu l'introduction tout à l'heure entre, comme je dis, ça fait partie de notre culture. Hein. Je veux dire que bon, c'est vrai que moi j'ai grandi dans cette culture-là, donc le fait de l'avoir fait, je trouve ça tout à fait normal. Okay.
Tout à fait. Merci, ben, merci à toi, François. J'te... Ok, mes amitiés donc à Dio Lover, à notre ami. Et, je veux dire, on ne le présente même plus. Je voulais lui dire bravo d'avoir persisté et permettre à RFT d'exister. Ah ben, ils ont entendu. Ils ont entendu. En tout cas, c'est avec plaisir. Hein, et on va revenir sur le morceau. Je te remercie, puis je te dis à plus tard. Oui, d'accord. Panez pour à plus tard. Ouais, à plus tard. Fosse. À bientôt. On continue avec, bien sûr, Western None, puisqu'on était parti sur ce morceau-là. La vie bon bat en bas, ni bonne nouvelle tous les soirs, et pourtant... Et oui, je vous rappelle que le 01 84 17 47 08, attention, vous reste 10 minutes, allez, 10 minutes, 10 bonnes minutes, 15 maximum, pour appeler le 01 84 17 47 08 pour trouver la réponse. Je vous répète, il s'appelle Gilles Floreau et il a fait partie d'un groupe mythique. Bien campé, façon le marché, mais tout n'est que tombé, fait au rêve. C'est qu'on s'aille, si vous pouvez mêler ou pour qu'à qu'un bel, on va se n'arriver. A fait le plaisir de venir sur la radio Fly Web Tropical. Hey, Mas Groovy, do it, do it, do it, boy. Que du bon son. Négocier.
mêlé. Au point où est-ce que nous obligeons pour dégager. Les cabalés ont pile et fini pas non négocier. C'est poil, 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 poil. On va plus loin de salé. On ne fait pas les gonfler. Oui, chers auditeurs, elle s'appelle Isley. Donc, je vois que vous n'avez pas voulu l'appeler. Pourtant, elle est gentille, elle ne mord pas. Moi, elle est agréable. Non seulement à l'écoute et au regard. Donc, je ne comprends pas que vous la voyez en plus via les réseaux sociaux. Donc, Western None, c'est une de ses chansons. J'aurais souhaité vous avoir au téléphone. Mais bon, si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Je vous laisse le loisir de l'écouter. Alors, avant d'arriver à ton dernier titre, un bon bout de chemin, une sacrée carrière. Donc, tu nous as dit tout à l'heure le clip bientôt, quand le clip sera sorti, vous sortirez le single. Tu prévois ça pour quand à peu près? Oh, je pense que début d'année, c'est sûr, mais la date, je l'ai pas encore décidée. D'ailleurs. Le clip était terminé et puis avec le réalisateur on a réfléchi, j'ai envie de rajouter quelques images. Donc demain on sera du côté de Versailles pour pouvoir refaire quelques images en plus. Donc il a encore du travail, tu vois, donc je lui laisse le temps quand même de bien peaufiner la chose et puis on va réfléchir pour la date de sortie. D'accord. Je peux te poser une question un peu personnelle. Est-ce que je peux avoir le privilège de te retrouver dans cette émission de Cœur Dédicace? Ah, bah avec plaisir. Tu sais quoi, tellement que tu m'as dit ça, là, ça y est, je suis tout émoustillé. On va préparer ça, on va voir. Dès que tu as la date de sortie, tu me fais un petit coup de fil et puis on met ça en place. Bien sûr. Je pense que nos auditeurs et auditrices seront ravis de te retrouver sur ce plateau Flagon Tropical. Et puis moi, ça sera un plaisir de te recevoir et puis partager encore un moment avec toi sur ton nouveau single. Voilà. Oui, j'espère que les gens cette fois seront moins timides, ils vont appeler, ils joueront le jeu. Ouais, on va jouer le jeu. Tu sais, déjà là, ils sont déjà embêtés par rapport à la fin de l'année, ils savent pas comment elle va être mise en place. C'est pas évident, hein, c'est... si ça table. Bah oui, bah, si ça table, fin de Noël, s'ils sont habitués d'être à 12, ouais, ça va leur faire bizarre. Donc, ou même à 3, ils sont habitués d'être à 15, donc ça va faire vraiment bizarre. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Donc, moins besoin d'amour. T'as besoin d'amour? On a tous besoin d'amour. Je peux te dire que quand tu m'as envoyé la pub, là, à la fin, j'ai éclaté de rire parce que c'était très drôle. C'était bien fait, super bien fait. Bien fait. Ça m'a fait rire. J'ai envoyé à mes copines, elles étaient mortes de rire aussi. Et là, elles sont en train de t'écouter, tes copines, au moins? Oui, il y en a. Oui. Okay. Et là, j'ai eu droit à un petit peu de, je ne sais pas comment on dit ça, taquinerie. Oui. Là, en ce moment, on me demande sans arrêt, est-ce que tu as besoin d'amour? Donc, ça ne m'étonne même pas que tu me poses la question. J'ai droit qu'à ça. Non, mais on a tous droit à une parcelle d'amour, mais moi je dirais de l'amour vrai, pas de l'amour vache. Oui, oui, exactement. Voilà, parce que on a besoin d'amour. On perd. Alors, l'amour, c'est vrai que c'est un bien grand mot parce que l'amour, ça détermine beaucoup de choses. Hein. Ça peut être l'amour d'un intime ou d'une intime, ça peut être l'amour d'un parent, ça peut être l'amour d'une frère, d'une sœur. Donc, moi, j'ai une petite pensée au passage pour ceux et celles qui ont perdu un proche récemment, puisque bon, je sais qu'il y a eu. Dans mon entourage, des gens qui ont perdu des proches. Donc, une petite pensée pour toutes ces personnes. Cette pandémie qui nous pend au nez, comment toi, tu la vis au quotidien, sachant que tu travailles dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Bah, écoute, c'était pas évident parce que... je vais pas trop parler de mon travail à côté non plus. C'est pas le but. Mais j'ai pu quand même, au tout début, on a pu s'arranger quand même pour pouvoir sortir et travailler. Il y a eu une période où on était en télétravail. Parce que je le suis, je peux pas dire ça pour moi, parce que je le suis quand même assez souvent en télétravail. Donc, il me fallait sortir parce que... Histoire d'évacuer. Oui, parce que avant le confinement, j'étais en, comment dirais-je, j'avais eu un problème. Je suis restée 4 mois à la maison, je pouvais pas sortir, sauf pour faire de la rééducation.
Donc, c'était très dur, très dur. J'ai eu le temps de sortir 15 jours pour pouvoir retravailler. Et à ce moment, bah, on était confinés. Donc, je suis encore reconfinée. Ouais. 4 mois plus, ça faisait un petit peu trop. Mais sinon, bah, à part ça, bah, on s'est occupé comme on peut. Moi, j'ai écrit. J'ai écrit pour d'autres personnes aussi. On s'est occupé comme on peut. Alors, une petite question au hasard, dans les contacts, hormis le côté manager, hein, je parle au niveau des contacts artistiques haïtiens, avec qui tu es en contact? Allez, je prends les informations. Artistique. Est-ce que tu as déjà travaillé avec d'autres artistes haïtiens ou tu as toujours été en solo? Non, il y a eu des featuring, mais plus avec des artistes de Paris. Mm-hmm. Dernièrement, on est en pour parler avec des artistes. Je vais pas encore, non, je vais pas trop non, en pas, dire. Faut pas vendre la mèche, faut parce qu'on attend déjà que ça soit sûr. Ouais, bien sûr. Et oui, il y a des artistes à l'étranger, mm-hmm. et c'est pas évident parce que des fois les gens ont des difficultés, ils demandent tellement d'argent, ouais. pour un featuring. Mm-hmm. Je dis mais c'est waouh, parce que déjà on a du mal déjà à vendre notre CD, musique, ouais. Alors quand le CD maintenant va plus avoir sa place, hein. Oui, c'est ce que disait mon fondateur, mm-hmm. Hier, ça n'aura plus sa place, hein. Le CD, ça commence à perdre une cote. Alors comment se sent l'artiste par rapport à ça? Ben on a de la chance quand même d'être en streaming, de vendre sur les réseaux sociaux. Voilà, mm-hmm. exactement. C'est déjà ça. Ça aurait pu être pire. Donc, je ne sais pas si ce qu'ils vont trouver après. Bon, c'est dommage parce que le CD était bien par rapport aux photos, les paroles, on pouvait tout trouver dedans. Et bon, après, il y aura plus. Après, j'ai envie de te dire qu'il y a des gens qui ils sont peut-être pas aussi. Ils demandent beaucoup, or que peut-être que simplement avec. Le côté passionnel musical, c'est vrai que bon, mm-hmm. ça remplit pas le frigidaire, c'est sûr. Mm-hmm. Mais je veux dire qu'il y a des gens, des fois, ils exagèrent un peu, je pense. Moi, je sais que je connais un peu le milieu. Pourquoi? Parce que, hormis le fait d'être animateur, j'ai été organisateur. D'accord. Pendant pas mal d'années. J'organisais des soirées. Et j'ai eu des bons moments, j'ai eu des mauvais moments. Mm-hmm. Et j'ai vu quelques artistes. Bon, je dis artistes parce que c'est le nom qu'on leur donne à ce moment-là. Mmh. J'ai vu des gens, des artistes qui venaient se prenaient la grosse tête et qui, en fin de compte, qui avaient sorti trois titres il y a 10 ans auparavant. Ouais. Bon, certes, le titre a fait fureur, mais bon, au bout de 10 ans, t'as plus rien sorti. Voilà, tu viens chercher. Oui. On est un peu oublié, on est un peu mis de côté. Or que j'ai des artistes qui sont encore plus hauts, mmh. que certains. Qui sont plus humbles. Qui sont plus humbles. Donc, allons chercher l'erreur. Donc voilà, je me dis, des fois, l'argent ne fait pas tout. Hein. On peut pas. Surtout, par exemple, quand vous allez dans une soirée, il y a un gars, j'ai vu ça, c'était avant la pandémie. Je vais dans une soirée, il y a un gars qui a demandé, sans exagération, le gars, il a demandé 800 euros pour une salle qui prenait 200 personnes. D'accord. Et le pire, c'est que le gars l'a payé. Oui. Bon. Et il a ramené 10 clients, 5-6 clients. Ah. C'est pas évident. Hein. J'ai pas fini. Dans les 6 clients, il y en a 4 qui ont mangé gratos. Il y en a 2 qui ont payé, le reste, ils ont mangé gratos, plus l'artiste. Donc ils sont à 5 à manger sur le dos du gars. Alors, c'est pas entrée, évident. Plat, dessert, champagne. Oui, non, champagne, oui, hein, oui surtout. Hein. Et puis les 2 autres qui ont payé, ils étaient à part, ils se sont mis à part, mais voilà. C'est pas évident. Voilà, et derrière, on demande 800 euros. Donc, bah, l'organisateur aurait dû savoir aussi que c'était pas dans ses cordes. Il a fait son travail jusqu'au bout. Oui, oui, c'est sûr. Mais on en a parlé quelques temps après. Il a fait son travail jusqu'au bout. Mm-hmm. Mais le gars, il sait pas ce qu'il a perdu. Il sait pas ce qu'il a perdu parce que moi, je connais bien le gars. C'est un gars, quand il fait des manifestations, il fait des grosses manifestations. D'accord. Et ce gars-là, ben, il l'a eu une fois, il l'aura pas deux. Prochain coup, qu'il a un gros truc, mais il pourra pas y aller. Mais est-ce que ça a été négocié aussi? C'est-à-dire, l'organisateur lui a dit que c'était trop? Est-ce qu'on pouvait négocier plus bas? Le gars lui a dit, je veux tant.
Donc okay. L'organisateur, il a dit, comme il voulait un artiste, il ne veut pas aller chercher. Et c'est, on lui a réclamé parce qu'il y a des clients qui lui ont... Quelques clients en plus, hein, c'est peut-être une dizaine. Parce qu'il y avait un anniversaire qui ont demandé pour cet artiste-là. Donc du coup, il a voulu faire plaisir à ses amis. Il l'a pris. Le gars, il lui a dit, 7 ans, 8 ans. Le mec, il a fait, ok, pas de problème. Il a pris 8 ans. Ouais, c'est vrai. Il a vu que la soirée, avec 200 personnes dedans... Mais bon, il s'est dit, bon, il y en a qui ont pris du champagne. Il s'est dit, ah bon, ben, il a fait de l'argent. Le gars, il a dépensé je ne sais pas combien. Il a récupéré des clopinettes. Mais il ne s'est pas plaint. Il a payé ses affaires, il a payé tout le monde, il est rentré chez lui. Mais c'est quelqu'un qui fait des gros événements. La bêtise, c'est que cet artiste-là, au prochain événement, il va entendre parler de lui. Bon, là, ce n'est pas le cas, puisque entre-temps, maintenant, le confinement est venu. Donc, ça nous est tombé dessus. Oui. Donc, voilà. C'était la petite anecdote, Isley. On va passer ton titre d'abord et on va en parler. Alors, tout ça qui besoin l'amour, marabazote l'amour par le biais de Isley, moins besoin l'amour. Alors, tout ça qui besoin l'amour, marabazote l'amour, love. Et n'oubliez pas, hein, elle s'appelle Isley, elle est dans ma compagnie jusqu'à la fin de cette émission. Donc là, il nous reste 10 minutes à peine. C'est parti. Je kiffe ce son. Patience, moi, pour